moi, je pense qu'il y a la liberté d'opinion, celle de Pape Ndiaye, liberté d'opinion, liberté d'expression. Il a le droit de s'exprimer. Moi, en tout cas, je continue d'aller sur l'ensemble des médias qui m'invitent. Par exemple, vous qualifiez Libération de très à gauche. Comment qualifieriez-vous CNews ? Oh bah, il est à droite et c'est bien connu. Moi, ça me pose question, effectivement. Je ne sais pas si j'aurais dit dans les mêmes termes, parce que peut-être j'aurais dit... C'est un gros mot, extrême droite. Non, pour moi, ce n'est pas un gros mot, non. Moi, c'est un des fondements de mon combat politique. Que pensez-vous de la controverse autour des propos de Pape Ndiaye ? Est-ce que c'est des propos que vous auriez pu tenir, dire que CNews est une chaîne d'extrême droite ? Oui, c'est des propos que j'aurais pu tenir. Il y a une dérive dans la ligne de CNews depuis maintenant... un certain nombre d'années où il y a des débats qui sont des débats qui relèvent de l'idéologie d'extrême droite. Voilà la réalité. Cette gêne quand même au sein de la majorité, rares sont ceux qui lui apportent leur soutien. Mais moi je pense que Pape Ndiaye a raison de dire les choses. Après il y en a qui peuvent s'y retrouver, d'autres qui ne peuvent pas s'y retrouver, chacun ça les regarde. Mediapart.